J'ai pas encore mis l'autre vidéo. Vu qu'on l'avait enregistré jeudi, j'ai traîné de la pâte, puis je l'ai pas encore mis là, mais je vais le mettre incessamment sur YouTube là, probablement en même temps que celle-là, finalement. Donc ça va, vous avez récupéré face à la dernière fois là où ça a été un peu la course pour finir. Mais maintenant on va le revoir la partie là, finalement là, avec mes containers, je me suis rendu compte que j'en avais besoin du système de définition de la liste des adresses email. On va le revoir tranquillement. L'objectif là, donc on va passer donc à la containerisation de Postfix et Dovecote. Suite à des discussions, on va le faire step by step. Donc ça va être un processus long. Je pense qu'on va le faire probablement en 3 sessions là, pour en arriver à la fin, parce qu'on va vraiment voir l'ensemble des petits problèmes au fur et à mesure. Donc ça va être du pas à pas pour y arriver. Si tout le monde est confortable avec ça. Donc là, j'ai changé en fait, au lieu de montrer un produit fini de comment il marche, mais un produit comme voilà, de chaque étape où j'ai eu mes petits problèmes qui sont arrivés. Là. Donc juste pour situer. Donc l'objectif, c'est qu'au lieu d'avoir un pet container, on va se retrouver avec deux containers isolés avec le minimum à l'intérieur. Et pour la première fois, donc face au début quand on a commencé les containers, on va avoir l'interaction entre nos images, entre nos containers qui roulent. On va juste revoir la définition de l'image, juste pour partir du bon pied. On veut que notre image puisse recevoir des courriels pour un ou plusieurs domaines. Je pense que j'ai une petite erreur là-dessus, mais bon, on verra par la suite. Permettre donc l'envoi sans authentification à ce niveau-là. On verra quand on mettra du MySQL pour avoir l'authentification, ça sera plus simple. La définition des mailbox, donc en mail dire et pas mbox, donc en d'autres mots, un fichier par email. La validation des adresses à la source pour pas que le serveur SMTP Postfix prenne l'ensemble des emails puis après les rejette, donc pour pas qu'il ait queue. Et on va mettre le système IMAP pour aller consulter les courriels. On pourrait mettre POP3 aussi, mais j'ai décidé de le laisser tomber là, juste pour réduire la quantité de configuration ici. Ça, toi, je l'ai oublié finalement. Donc, dans les variables qu'on va vouloir définir au niveau de notre container, le domaine, le network et définir s'il y a un relay host. Donc quand on va initialiser les containers. Puis l'authentification en clair ou non, en fait je l'ai oublié. Donc il fallait le rajouter. Là. Au pire on le fera à la fin, là, mais c'est juste une variable de plus là, dans le template. Mais finalement j'ai complètement zappé par la suite. Donc ça c'est ce que j'avais défini au début. Finalement il y en a une couple de plus. Quand tu prends d'ailleurs, là j'ai pas l'index. Merde. Je vais juste le générer, juste pour vous donner une idée de comment ça va être construit. Git training serveur, et si on fait, oups, excusez, ouais, j'ai un script qui fait la génération de l'index, mais je l'ai juste pas fait là. Donc, ça c'est ce qu'on va couvrir. Donc, il y a toute une définition, donc la définition de l'image du postfix, définition de l'utilisation. Donc là, je vais faire un point de recul pour son utilisation. La configuration du LMTP, je vais y revenir, donc ça va être pour le Dovecote. La création de l'image IMAP. Et en fait, on va voir différents problèmes, la mise en symbiose qu'il y a eu. Je prends un temps de recul ici, juste pour qu'on regarde où on est rendu et les problématiques qu'il faut adresser. Et après, on va faire les correctifs pour arriver à la version finale. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment un step by step qui va se faire avec plusieurs problèmes qu'on va avoir. Puis, pour vous montrer que moi aussi, ça ne se construit pas en claquant des doigts, là, faut y penser. On va utiliser donc un Ubuntu LTS, donc Ubuntu 16.04 pour les besoins de donc l'image de base sur laquelle on va partir, ça va être le Ubuntu. Je vous dis ça parce que ça va générer un problème. Donc,
Grosso modo, on reprend bêtement les étapes, on va créer les packages postfix, on va utiliser le template avec le Jinja 2 pour faire la configuration du postfix et le démarrage de postfix. Donc c'est vraiment pas mal comme on avait eu lors de la mise en place du serveur de relais. Hein, on avait vu le container de relais. C'est pas mal la même chose, c'est ce qui va changer, c'est vraiment le template finalement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un répertoire qui s'appelle SRV Merl with IMAP. Et dedans, j'ai créé deux répertoires. La IMAP, on ne l'a pas encore créé. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis basé sur le Merl Relay, le container du Relay Host. Et j'ai repris les fichiers de configuration qu'on avait, vu que c'était sensiblement la même chose. Okay. Donc, je vais créer le container. Je vais recréer... Attends, je pense que j'en ai déjà une partie ici. SMTP, là j'ai pas le IMAP, je vais juste voir où je suis rendu. Ça c'est. Attends, je vais juste mettre en background. Foreground. Ok, non j'en ai déjà un peu trop ici. Donc je vais le recommencer. Démo. Je vais reprendre la même structure, ce qui va me faciliter la vie. Je vais faire mes copier-coller. Vim Docker file. Donc je vais prendre mon Docker file. Paf, paf, paf. Ici. J'ai. Ah, presque. Ok. Donc c'est sensiblement la même chose, on va le repasser rapidement. Donc on parle d'un Ubuntu, j'ai mis que j'étais le mainteneur, la variable qui dit comme quoi, quand on ne pose pas de questions parce que c'est non interactif. J'ai fait le update de la liste des packages disponibles, l'installation avec le no install recommended. Je vais enlever le QQ juste parce que ça c'est pour le mettre en mode quiet, juste pour qu'on le voit, c'est au cas où la connexion internet elle est un peu lente. Comme tendance à faire CTRL-C pour savoir qu'est-ce qui se passe. On va installer donc évidemment postfix, le Python pip pour pouvoir après installer le client, le command line Jinja 2, le supervisor pour faire la gestion des deux services, rsyslog et postfix. Je réutilise le script de Ulrich, ou je ne sais plus son nom, que je remercie encore. On va tant qu'à scraper son nom. Donc le daemon foreground et la configuration du supervisor. Est-ce que vous voulez qu'on les regarde juste le. Est-ce que vous voulez qu'on en regarde un? Ouais, ok. Parfait, je vais juste les copier parce que je ne l'ai pas où j'ai oublié. Donc si je reviens à. Git running, server, docker. SMTP, donc il va y avoir le bin que je vais pouvoir copier ici. Et je vais prendre le conf tout de suite. Je vais prendre le run rendu là. Run. Et je vais l'éditer après. Donc si on regarde, je l'avais plus. Conf, je vais reprendre le Docker file. Je vais juste l'ouvrir dans une autre fenêtre. Donc si on regarde le daemon foreground. Donc, qui permet en fait de démarrer un processus. Ce qu'il fait lui, c'est que, si je vais en bas, il va rouler la commande qu'on lui a donnée, il va faire un sleep et il va s'organiser de vérifier que le process il est là, mais il va garder en avant-plan le processus au lieu de le mettre en background. Ce qui me permet d'utiliser les services, les init scripts, même sans avoir rien changé. C'est pour ça. Et si je regarde là, la configuration donc du supervisor. Donc lui, c'est là qu'il va utiliser le daemon foreground qui est défini ici. Et il va dire démarre le postfix start en validant que le PID il est bien présent. Du script qu'on a vu juste avant. Ok. Parfait. Je vais juste. Okay. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je ne me rappelle plus. Tac, 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 tac. Okay, je vais juste. J'avais-tu pris le. En installant. Je pense que le fichier de configuration, je le reprends après. Excusez. Je vais juste me rafraîchir la mémoire. Ok. C'est ça. Dans mon Docker file, là, j'avais pas mis le fichier de configuration.
C'est ça, j'ai pas mis la configuration, je fais juste démarrer le truc sans avoir mis la configuration de postfix. Donc je vais juste m'assurer que mon Dockerfile. Parfait. Là, je l'ai pas non plus. Parfait. Donc là, on fait vraiment juste démarrer le postfix, pas de configuration, rien. Ok? Je vais faire la compilation. Docker build moins t servait SMTP, puis je vais le mettre 2 parce que j'en ai déjà un. Donc, et je lance la compilation. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller récupérer. Donc, ah, pourquoi j'ai encore le moins Q? Ah, parce que je l'avais laissé le QQ pour le update. Il récupère la liste des packages et il procède à l'installation des différents packages que je lui ai donnés. Hein? Fait l'installation et boum, là j'ai une erreur. En fait, là c'est là que quand j'ai vu ça, cette erreur, je me dis putain, ils vont croire que je le fais exprès, puis c'était même pas voulu en plus. Donc, enfin, il me donne une erreur et il me dit donc no module name setup conf machin. Là, je dis ah merde, mais pourtant j'ai utilisé la même configuration en Debian, j'ai pris le Dockerfile de Debian. Et j'ai juste changé la source en disant comme quoi maintenant c'était un Ubuntu plutôt qu'un Debian. C'est vraiment la seule chose que j'ai changée quand j'ai fait l'installation de mes packages. Okay. En fait, ça c'est ce que, ouais, non, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'étais comme merde. Et c'est là que j'ai décidé en fait de voir qu'on regarde le processus au complet. Donc originalement, c'était une Debian Jazzy. Et maintenant, on est sur Ubuntu LTS. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, pas de problème. Parce que c'est compliqué si tu travailles tout le temps à l'intérieur de ton Dockerfile, qu'à chaque fois que tu veux faire une modification, tu dois le recompiler, tu comprends pas. Là, j'ai pas de shell. C'est un bordel. T'sais, à moins de commencer à travailler en jeu d'essai-erreur, c'est ennuyant. Donc c'est pas comme ça que. Donc ce que je vais faire. Oups, putain. Ok, c'est bon. Je vais me démarrer une Ubuntu 16.04 en bash, avec juste bash. Donc à ce moment-là, je me retrouve avec l'équivalent de mon point de départ de mon Dockerfile. Donc si je reprends le Dockerfile, qui est là, donc je suis ici. Ce qui va me permettre de commencer à travailler avec le fonctionnement. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, je vais faire un apt-get install. L'erreur que j'ai, excusez. L'erreur que j'ai en fait, c'est quand il a fait toute l'installation de mes packages, mais il a bloqué quand j'ai essayé d'installer le J2 CLI. Okay? Donc, quand en fait, c'est quand j'ai roulé la commande pip install J2 CLI. C'est là que ça a planté. Il n'y a pas moins de dans ton rappel. Non, il n'y a pas le moins QQ, mais c'est juste pour le quiet. Donc, mais ça aurait pu être ça aussi. Mais en fait, on n'est pas loin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste installer le Python pip. Comme ça, je fais un install. Puis là, je me dis, OK, update la base de données. Donc là, là le réseau, il n'est pas trop mal aujourd'hui. On est chanceux. Parce qu'on va l'utiliser beaucoup, c'est pour ça. Donc là, je dis, waouh! Là, tu te dis, putain, il y a quand même beaucoup de packages qui sont là. Bon, je fais yes. Puis en fait, cela, ça va très bien passer. C'est rien qu'on le regarde. Il n'y aura pas de problème dans cette situation. Là, je me suis dit, ok, mais là, je vais rechercher le package. Est-ce que c'est dans le nom du package qu'il ne l'a pas trouvé? Est-ce que je me suis trompé quelque part? Donc là, c'est sûr que c'est un peu plus long. J'ai fait la recherche du package, puis je l'ai installé. Pas de problème. J'ai le warning ici comme quoi la version de mon pip il est un peu vieille, puis que ça serait mieux que je le refasse, que je le mette à jour, mais il n'y a rien de critique là-dedans. Au début, j'ai pas tout de suite compris. Donc, j'ai refait le build Docker. Je me suis dit, bon, bah, je sais pas, il y a une couille sur le réseau ou quoi. On ne sait pas. Même, j'ai eu la même erreur. Elle est où la source de mon problème? Et c'est là, en fait, que j'ai reconstaté que j'avais l'instruction
no install recommended dans mon Docker file. Parce que je veux que mon image Docker soit le plus minimal possible pour que la taille de mon container soit petite, pour que quand je le pousse dans l'ensemble de mes Docker hosts, ben, ça soit plus rapide à faire la copie ou la récupération, et aussi de faire en sorte que ton image ait vraiment juste l'essentiel à l'intérieur. Donc, j'ai refait la commande, donc no install. Voilà, je pourrais faire le pip install, là, puis ça va marcher. Là. Juste, je vais le faire là, juste pour finir. J'ai deux clés. Je n'aurai pas le message d'erreur parce que justement, j'ai pas bloqué le. Toi, on voit le code d'erreur, il n'y a pas de problème. Là. Okay? Parce que quand j'ai fait l'installation, je n'ai pas mis le no recommended. OK? Fait que là, ce qui est super cool avec Docker, je vais fermer lui, je vais en redémarrer un nouveau qui va être vierge. Donc, ouais, c'est quand même. Plutôt qu'à commencer à essayer de supprimer les packages, là, hop, j'en pars un nouveau, il est tout propre, et maintenant je vais refaire la même commande, mais cette fois-ci avec le no install recommended. Ce qui va me permettre de resimuler le comportement en fait. Donc, comme si j'étais à l'intérieur de mon Docker file. Ce sera pas bien long. Et on va en profiter pour voir justement la différence en fait de la liste des packages avec et sans le no recommended. Ouais, je n'ai un bêta. Okay. Si on regarde, regardez ici. Après, il va avoir besoin de télécharger 7 MB à peu près pour un résultat de 25 MB. Okay. On va remonter à l'origine. Hein. Vous allez voir, ça fait mal quoi. Ah, je l'ai là. Attends, c'est-tu là? C'était où? Ah, c'était volumineux, quoi. Tu vois, je récupérais d'Internet presque 100 MB et j'avais un résultat de presque 300 MB dans mon container. Il y a quand même une méchante marge entre les deux, quoi. On n'est pas à quelques cas de différence ou même à quelques MB, là. D'où l'importance du no recommended à mettre en place. Mais bon, après, il y a un side effect. Oui. Mais s'il y a des dépendances vraiment nécessaires, comment tu peux terminer? Attention, effectivement, comme tu poses la question, est-ce que s'il y a des dépendances nécessaires, comment il va fonctionner? En fait, la problématique du no install recommended, c'est pas la gestion des dépendances. J'ai pas mis no deps ou no machin. En fait, ce qu'il installe en plus, c'est les packages qui sont recommandés pour une utilisation dit classique. Donc, pour couvrir l'ensemble de l'utilisation. Donc, le package, il est fonctionnel. Le pip, machin, il marche, mais il n'est pas capable de tout faire parce que faut se mettre en contexte que le pip install, lui, c'est un gestionnaire de package qui va compiler ce qu'il a récupéré sur Internet. Donc, effectivement, il y a des morceaux de compilation qu'il n'arrive pas à faire qui sont requis pour mon J2 Cli dans cette situation présente. Donc là, je l'ai fait l'install. On va juste voir. Attends. Donc, attends. Donc, je vais juste re-regarder le message d'erreur. Donc là, on a vu qu'il y avait une différence entre le nombre de packages qui étaient installés sans et avec le no install recommended. Et ici, si je regarde, on voit, il dit le nom d'erreur, import error, no module, setup tool. Voilà, donc là après, apt cache, search, setup tool. Et enfin, il va me le trouver, là. C'est setup tool, celui-là que je vais avoir besoin. Je peux faire le test de toute manière, pip install, ce que j'ai fait probablement, là, je vous avoue que je ne m'en rappelle plus. Hein, no module setup tool, apt get install, hop, setup tool. Non, là j'ai fait no, hein. J'ai fait ctrl C là, mais j'ai fait no là. Il ne faut juste pas que j'oublie de remettre le no install recommended. Sinon, mon test il est caduque quand je vais le remettre à l'intérieur de mon Docker file. Donc, je voulais me rattraper avant. Hop, après je refais l'installation du J2 Cli. Pas de bol. Il t'en manque encore un.
Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis, on aurait cru que je l'ai fait exprès. Attends, quoique, je pense qu'il avait passé. Non, ouais, il a passé peut-être. J'ai deux clés, mais quand. Non, il a pas réussi à passer. Donc là, il a dit Fairbairn Mark Safe. Et c'était quoi le package? J'ai juste un trouble. Wheel, j'avais installé Python Wheel. Attends, je vais regarder c'était quoi. Parce que. Ah oui, BSD 10. Ouais, ça, j'avais dû le chercher sur le net là, pour savoir c'était quoi ma dépendance. Là. Si on revient ici, là, BDist Wheel, c'est comme ça que je l'ai déterminé. Là. Je vous avouerai, je ne me rappelle plus. Là, ou Pip Wheel. Ou j'avais googlé ça pour pouvoir essayer de le déterminer. Peu importe. Et là, maintenant, pip install. Et là, il a réussi à faire l'installation. Du premier coup, ouais. Okay. Résultat, donc maintenant que j'ai réussi à faire lors de mon processus sur un environnement sur lequel je peux manipuler, travailler convenablement et non pas juste avec un Dockerfile, donc je reprends grep pt-get, je reprends mes deux packages que j'ai besoin, je le mets dans le Dockerfile, hop, paf, et wheel. Pour que cette fois-ci, ça va passer. Je reviens. Là, il va faire l'installation des packages. Okay. Donc, ce que je voulais surtout montrer, c'était démarrer un container à côté, jouer, machin, tac-tac, explorer, chercher la raison du pourquoi. Puis après, une fois que le bobo identifié, trouvé, le ramener à l'intérieur du Dockerfile, puis après on l'oublie. Donc ça c'est là qu'on voit la création. Et là, okay, là j'avais une erreur que j'avais oublié le supervisor all, mais bah, cette fois-ci je l'avais copié. Donc là je fais la création. Ok, j'aurais pu le faire step by step comme ça finalement. Ouais, vu que j'ai écrit le truc, il y a longtemps avant, j'ai tendance à oublier. L'avantage de ce que je voulais démontrer en fait avec l'oubli du fichier de config, là, que là j'ai pas oublié, désolé de pas avoir oublié, c'est que là il avait bloqué en disant comme quoi le supervisor all il n'est pas là. J'ai mis le fichier en place et quand j'ai reroulé la commande, ben, il a utilisé le cache pour tout ce qui est les parties qu'il avait déjà compilées. Jusqu'à temps qu'il trouve le layer où il avait besoin de travailler. De toute manière, on va le revoir, on va faire d'autres modifications. Donc, c'est pas comme si ça allait marcher du premier coup. Des questions? Ça va? Parfait. Donc là, on va continuer avec le fichier de configuration du postfix. J'ai fait des petites modifications dans la variable, ou je sais plus trop, là, juste pour que ça soit un peu différent. Donc, je vais mettre le fichier de configuration à l'intérieur du répertoire conf en mode Jinja 2 pour qu'il va être traité après par le fichier de run. Conf. Donc, j'ai déjà. Je vais tout supprimer parce que j'ai vu qu'il y avait des parties que je voulais pas qu'ils soient là. Donc, le my hostname qui va être récupéré. Là, j'ai le fichier d'alias qui est pris en considération avec le hash. Je ne sais même plus si ça va poser de problème. Pas grave, on y reviendra. J'avais dit que c'était un mailbox de type maildir. Donc, j'avais défini la variable comme on l'avait vu. L'origine qui va être utilisée, substituée avec la variable d'environnement qui va être passée au container. L'acceptation du domaine avec la variable accept domain, donc quand je vais passer mon coco.com. Je définis la liste des réseaux qui vont être permis. Et s'il y a un relay host qui est défini, vous voyez, maintenant j'ai fait le correctif là, pour que ce soit direct, pour pas qu'il le mette là. Ou sinon, il va mettre la variable que je vais passer. Tout le monde est confortable? Parfait. Donc, j'ai mis en place le fichier de configuration. Maintenant, il va falloir que je change mon Dockerfile parce que dans l'intérieur de mon Dockerfile, j'avais enlevé la ligne pour la création. Donc, je vais rajouter là. If. Parfait.
Et je vais modifier le script run.sh pour prendre en charge mes nouveaux fichiers de configuration. Je vais prendre cache comme ça. Je sais que je l'avais déjà mis. Je vais prendre le run.sh. Direct. Bon, tiens, je vais tout supprimer puis on recommence. C'est pas grave. Oups. C'est exactement la même chose finalement. Pas grave, au moins je suis sûr de ne pas avoir de problème. Petit détail ici, s'il y a une erreur, s'il y a une commande qui cause un problème à l'intérieur du script, le script va sortir directement. Donc si, même si tu fais un ls toto, et puis que toto n'existe pas, ben, ça donne une erreur, puis il sort, il va arrêter de processer le reste du script. Donc par mesure de précaution, si je puis dire. Donc ben là, définition des variables avec des valeurs par défaut, comme on l'avait vu préalablement, et la conversion du script postfix main2 vers le bon lieu de configuration. Okay? Tout ça, on l'avait déjà couvert la dernière fois. Je sauvegarde. Je vais rebuilder mon container avec ces nouveaux paramètres. Donc je rebuild. L'avantage, c'est effectivement, je vais utiliser les layers. Donc il passe juste les parties. Tout ce qui est l'installation a déjà été couvert. Donc c'est juste à partir de la première layer de modification. Donc tout ça, c'est cache. Vu que là, il y avait le conf, là, il a commencé à rebuilder. Même si ça aurait été pareil. Parfait? On est combien? Minute 30. Donc, oui, ça marche. Donc, on va rouler on va créer le postfix juste pour valider que ça marche bien. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu testes à chaque étape, c'est plus facile que tester le gros morceau à la fin. Hop. Voilà. J'ai deux parce que j'en ai fait un nouveau. Donc là, ce que je faisais, c'est que je l'appelais mail training. J'accepte les emails pour mail training Zerus. J'ai peint, ouais, c'est ça. Et le réseau que je permets et je définis le accept domain. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc on exécute. Il va rouler en foreground. Donc là, il spawn. Tac, tac, tac. Je vais prendre une autre console. C'est sûr que j'aurais pu mettre moins D pour l'avoir en background, mais vu que je suis en processus d'analyse puis de debugging, je vais le laisser en foreground au début pour pouvoir regarder le comportement. Au cas où que mon container tout de suite il quitte parce qu'il y a une erreur. Donc, parfait. Je peux faire quitter ça. Donc, je fais Docker PS. Effectivement, je vois bien mon SRVS MTP2. Il a donné un nom random parce que je ne l'ai pas nommé. Je suis juste en période de test à ce moment-ci. Parfait. Tu vois là, j'ai fait un Docker exec dedans. On va le faire pareil. Surtout pour la partie test. Bash. Et je vais juste vérifier que l'ensemble de mes variables sont bonnes. Effectivement, dans My Destination, j'ai bien l'information qui est présente. Je suis bien en mail dire. Le serveur a bien été, le réseau pour le relais a bien été défini et j'ai pas de relay host parce que par défaut il a pris la valeur direct, donc dans mon template il n'a pas été pris en considération. C'est bon? Parfait. Je dis, hein, on y va par baby step là, mais ça va. Je vais récupérer l'adresse IP de mon container. Inspect. Le nom de mon container. Je fais un petit grep parce que bon, je vais le faire sans. Là. Il y a beaucoup d'informations qui sont fournies par le Docker Inspect. Et comme je ne veux pas scroller pour chercher mon information, tu vas me dire c'est à la fin. Oui, puis, je m'en fous. Donc, IPA. Donc là, je l'ai clairement à la fin. Okay? On pourrait faire un alias plus cool pour ça, mais bon. C'est correct. Je vais faire un petit telnet. Fait. Hello Toto, je vais juste mettre copier-coller mes mail from. Je vais envoyer à root, puis data, blabla. Parfait. Donc, j'ai pas eu de rejet. Bien entendu, l'usager root, il existait. Et maintenant, si je fais un tel, donc du var log.
Je vais changer le nom du container. Oh, je suis chanceux. Ici, je vais un log. Tac, tac, tac. Il a bien été livré en mail dir à l'usager root localement. Là, on n'a pas d'IMAP, on n'a pas rien. Hein, donc là, je valide juste que j'ai un container fonctionnel pour la livraison des courriels. Et si je fais un exec du pour valider le répertoire mail-dir de l'usager, j'ai bien un email qui est là, donc qui va être présent. Et je pourrais faire un cat dessus aussi. Cat, paf, new, pif. Et j'ai bien mon courriel qui est là. Okay, donc là, j'ai réussi à valider l'utilisation de mon container au complet. J'ai un container qui accepte des emails pour un domaine donné et qui lève en mail dir localement. Cool? Ouais. Donc, il faut que je me relise. Donc, là, faire l'image à l'intérieur, de faire le pet container comme on va le faire, c'est assez simple, ça permet de isoler ton application. Mais là, on va se retrouver à l'autre partie qui va être d'interconnecter ça et d'avoir quelque chose qu'on peut crasher, le redémarrer à l'intérieur de ton container et le déployer sur plusieurs machines. Donc, l'état de l'image, il accepte les emails. Ok, là, je suis dans... Ouh, ok, ouais. Combien qu'il a, il est 38, c'est bon. On va s'arrêter. On va finir là-dessus, en fait. Donc, là, il accepte le email. Ça démarre. C'est déjà pas mal. Il stocke les courriels dans le répertoire courant de l'utilisateur. Mais en ce moment, on a un problème. C'est qu'on a juste l'utilisateur root qui existe. Il n'y a pas d'autre utilisateur sur le système. La les alias sont statiques. Hein, comme les utilisateurs, donc on a le problème que aujourd'hui je peux juste accepter un email pour l'usager root. Hein, c'est un peu limitatif quand même. Mais il marche, il démarre puis il reçoit, c'est déjà pas si mal. Hein, et les courriels sont à l'intérieur du container. Hein, donc si mon container je l'éteins, que je le supprime, ben, je perds tous mes emails. Okay, donc là, il va falloir que je l'extériorise mes courriels avec un volume. Ça, c'est la partie la plus simple en fait, dans la liste des problèmes. Bon. Donc ouais, c'est ça. C'est ça que je dis, on va pouvoir créer un volume pour le container associé avec slash home. Ça, on va le faire quand on va faire justement le IMAP. On va extérioriser les courriels. Donc, on peut dire que le problème, on a une solution en vue. Mais le plus gros complexe en fait qui arrive, c'est la gestion des utilisateurs. Okay? Donc c'est vraiment ça qui va être notre gros défi là-dedans. Donc on a besoin de quoi avec la liste des utilisateurs? Ça contient quoi? Ça contient la validation des adresses courriels. On a dit que c'était comme un requis qu'on voulait avoir. Donc ça, il va falloir qu'ils puissent faire ça. La livraison dans le répertoire personnel de l'utilisateur, donc là postfix quand il va livrer, ben l'usager qui doit, il doit avoir un UID puis un GID et en plus il doit avoir un répertoire personnel pour stocker le email. Okay? Puis en ce moment, ben on n'a pas de système d'authentification parce que on n'a pas le IMAP, ça va être dans l'autre container qui va se retrouver. Ok, parce que là on a un container pour recevoir les emails puis faire le relais. Puis après, on va avoir un container pour le IMAP. Okay. Puis là-dedans, il faut gérer les users. Donc, on va voir quelques solutions. Excusez, je cherchais mon image, c'est pour ça que j'étais comme... Donc, une des solutions, ça serait passer en paramètre la liste des utilisateurs. Ouais, exactement, le ish. On va voir. Donc, on pourrait passer en paramètre. Le run.sh, il va créer l'utilisateur, il va créer le répertoire de l'utilisateur. Donc, là, le problème de ça, c'est que quand même, une des situations, c'est que la variable d'environnement sont interprétées uniquement lors de l'initialisation du conteneur. C'est-à-dire que si je le stoppe
et que je le start, il ne relie pas ces variables d'environnement, il part ce que quand je l'ai initialisé la première fois. Ok? Puis même si tu les changes dans le Docker Compose, là, il s'en bat les couilles. Là. Je veux dire, tu les as changés, c'est bien, ça va être pour la prochaine création, bravo mon grand. Okay? Donc, si j'ai une liste d'utilisateurs, donc si on prend Robert, Peter, puis Bonnie, donc il va rajouter, mais si deux jours après, je veux rajouter Bob, ben il va falloir que je détruise mon conteneur et que je le recrée. Okay? On va voir les pour et les contre. J'ai décidé de commencer au contre parce que je me suis dit que vous serez pas mal tous contre. Fait, j'ai décidé qu'on va vous conforter dans l'idée pour commencer. Donc, évidemment, la suppression du conteneur, ben là tu te dis putain, mais je vais pas supprimer mon conteneur. Moi aussi, hein, je transpire encore hein, quand je dois le supprimer parce que je veux changer une variable d'environnement là, puis que je dois le recréer. Là, je fais tous mes backups avant, puis j'espère à chaque fois. Ah, ça marche toujours, mais j'ai toujours un risque parce que tu sais, c'est une question d'être habitué au système aussi. Là. Tu te dis, je détruis mon application, oui, je suis supposé avoir tous mes fichiers, puis là, tu te dis, j'espère que j'ai bien rien modifié dedans. Là. Donc, c'est juste une question d'habitude. Mais c'est comme la livraison continue des applications. T'sais. Quand tu le fais, tu déploies une application une fois ou six mois, tu transpires. Mais si tu le fais à toutes les semaines pour ajouter un nouveau feature, ben, c'est juste un déploiement comme un autre. Tu es confiant à ton système. Donc, c'est juste un minding différent là-dedans. Donc là, comme je dis, si quelqu'un a rajouté manuellement, a fait un Docker exec bash dans le container, ben là, tu as perdu ton user. Parce que là, il ne l'a pas rajouté dans les variables. S'il y a une modification dans l'image de référence, tu fais attention normalement, mais effectivement, si tu redéploies puis que tu as changé ton image puis qu'il y a quelque chose qui a changé, ben c'est possible que ton système ne marche plus. Si tu veux déléguer l'opération à ton helpdesk de créer un user, bon là j'exagère parce que c'est la solution qu'on voit là, c'est pas une solution en production, là. C'est sûr qu'on utiliserait une base de données SQL ou autre là, pour stocker, mais là ben, tu peux pas dire à ton helpdesk, ah ben va dans, change la variable du container puis restart-le. T'as intérêt de faire un wrapper avec Jenkins ou autre là, pour couvrir ça, mais ça reste que c'est peut-être un peu plus complexe. Puis surtout, ça nous oblige à changer nos habitudes. Okay? Maintenant, on va passer au pour, les côtés positifs de cette solution. Okay. On prend une gorgée de café quand même. La recréation du contenu du container, c'est un mal pour un bien en fait. Parce que je vais vous expliquer, et puis ça va être un gros problème, vous allez voir les problèmes de sécurité qui vont sortir avec Docker. C'est que la problématique ici, si je crée mon container, mettons, en juin 2016, je crée. Ici, là, mon Ubuntu, là, qui est ici, il est stampé en date de juin 2016. Okay? C'est là que je l'ai récupéré. Si j'ai une faille de sécurité qui sort en juillet dedans, ou même en décembre à l'intérieur de la couche de postfix, si je ne recrée pas mon image et que je ne redémarre pas mon container, la faille de sécurité, elle est maintenue à l'intérieur. Donc, la régénération de tes images doit être faite et ton container doit être recréé. Bien sûr, tu peux aller à l'intérieur du container puis à faire un apt-get, update, machin, mais là, tu perds. Je veux dire, ça veut dire que ton image de référence que tu sais qui fonctionne, puis ton image utilisée en production, en fait, elle n'est plus la même. L'idée, c'est de ne pas faire des mises à jour dans ton container, mais toujours dans ton image, revalider ton image et de repousser celle-ci. Okay. Donc ça, moi je prédis là que vous va avoir de la bitcherie qui va arriver avec Docker dans le futur là, à cause de cette problématique, en fait de cette réalité là. Par contre, l'avantage c'est que ton image, tu sais qu'elle marche et elle est stampée puis elle est gelée dans le temps avec l'ensemble de l'état du système à une date X. Donc s'il y a des pour, il y a des contre. Donc le fait que tu sois obligé quand tu veux rajouter un user de détruire ton container et de le recréer, et idéalement tu le rajoutes dans ton processus la recréation de l'image originale, ben ça te permet de mettre à jour régulièrement, indirectement ton container. Okay?
Donc, l'autre côté pratique, c'est que donc c'est un système éphémère. Donc, ton container, tu sais qu'il roule, qu'il fonctionne. Il est recréé régulièrement. Et si tu as besoin de le redéployer ailleurs, ben, tu changes tes DNS, AMX et tu le redéploies. Donc, tu as un niveau de confiance. Tu n'as pas un pet container qui se fait là. Donc, là, on se retrouve avec plus du déploiement ou s'il y a une augmentation de charge, tu pourrais le faire. Bien entendu, bon, il y a la question du répertoire des home users là, qui reste problématique là. Donc, il va falloir que tu aies un système, un file server pour gérer tous tes courriels, pour qu'ils rentrent tous à la même place là, ou un répertoire partagé avec Google FS ou autre, là, pour qu'il soit, si tu as un cluster, une ferme de Docker, là, parce qu'il y a le problème des fichiers qui vont se retrouver quand même. Mais tu es confiant en fait à pouvoir détruire et à recréer ton container avec. C'est bon? Oui. Dernier point d'avant, Si? et on peut pas mesurer combien de temps on peut garder une image si on met à jour régulièrement les hosts. Parce que l'interaction avec les librairies, etc., de hosts, un jour peut être glissée. Ok, donc combien de temps on peut garder le container en relation avec le host? Parce que l'un, le host et le Dockerhost, le container, c'est deux éléments distincts. Si on prend dans le cas de ma machine, là, je sais pas, moi, tu sais, je suis en Arch Linux, puis les Docker, les containers que je démarre, c'est du Ubuntu. Il n'y a aucune librairie qui est partagée entre. Le seul lien qu'il y a entre le Dockerhost et les containers, c'est les appels kernel, les appels système qui sont faits. OK? Donc, c'est pour ça que, bon, là, moi, je suis en kernel 4.8, là, mais je ne peux pas rouler du CentOS 2 parce que c'est un kernel 2 ou quelque chose, là. Donc, ça va être des distributions majeures que je ne vais pas pouvoir avoir. Mais même si je mets à jour ma machine, donc, si mettons il y a une faille dans OpenSSL ou OpenSSH, même si je mets à jour mon Dockerhost, mon container, lui, il a sa version, sa définition. Alors, on n'est pas comme dans Solaris avec les zones où ils partageaient les fichiers de librairie, là. Là, ils sont vraiment isolés complètement à part les appels système. Donc, tu n'as pas le choix. Mais ça t'oblige à patcher deux OS par exemple. Effectivement, ça m'oblige à patcher mon OS de base, mon Dockerhost. C'est pour ça qu'il existe des distributions plus light, genre CoreOS, qui eux, c'est juste vraiment un Dockerhost minimal avec beaucoup moins d'applications. Aujourd'hui, moi, je n'utilise pas parce que c'est une question d'être en contrôle. T'sais. Moi, je préfère avoir un Ubuntu ou autre, puis après pouvoir avoir tous mes outils pour diagnostiquer, déboguer, etc. Une fois que je serai plus en production, éventuellement, peut-être j'utiliserai une couche plus light. Mais là, oui, je préfère avoir moi plus d'outils là, pour essayer de comprendre est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le système, est-ce que c'est ma compréhension que, donc pour faire des diagnostics. Mais c'est pour ça qu'après, on va se retrouver avec une couche plus light. Un petit peu comme VMware, hein. VMware, il t'offre le hypervisor VMware avec qui est plus light, donc il n'y a pas tout l'OS à l'intérieur. Puis après, tu patches tes VM, mais tu dois quand même patcher ton hypervisor. La philosophie, effectivement, du Docker, c'est de ne pas avoir des pet containers, donc tu ne mets pas vraiment à jour manuellement, tu mets à jour ton image de référence sur laquelle tu fais tes batteries de test pour arriver après à le mettre en production. Donc, ton image, elle est rafraîchie, entre guillemets, régulièrement pour permettre justement que tes mises à jour se fassent en continu, en même temps que ta livraison d'application. Bon. Donc, l'autre solution, parce que là, va falloir le partager, ça serait d'avoir un fichier local des utilisateurs à l'extérieur du container. Donc, j'ai le fichier etc password et le fichier shadow pour les mots de passe. Et en fait, au lieu qu'ils soient à l'intérieur du container, je les mets à l'extérieur. Okay. Ça, c'est une autre possibilité.
Bon, là, vous serez probablement plus pour, mais j'avais commencé avec contre, j'avais plus le choix de continuer. Ça mélangeait un petit peu le truc. Donc, la problématique avec cette solution, c'est que ben, là, tu as un ETC password, donc c'est un fichier qui est sur un Docker host. Donc, ton container, il est dépendant de du Docker host où il a été déployé. À moins d'avoir un file system partagé, etc., tu peux pas, t'as moins de malléabilité sur ton container pour pouvoir le déployer ou le bouger, l'arrêter, le redéployer ailleurs. Je parle principalement, c'est un système genre Kubernetes qui te permet de faire de l'orchestration, de l'organisation de tes containers là, pour qu'ils puissent se déplacer selon les ressources ou autres. Donc là, ça devient un peu plus complexe. Là, l'idée, donc on n'est pas en mesure de redémarrer le container sur un autre host de manière transparente. Bon, le email est reçu, qui sera non disponible. C'est pas obligatoire. Ouais, parce que là, en fait, on ne va pas stocker les courriels au niveau du postfix, il va juste agir comme buffer, principalement si le Docker, le DAF code n'est pas disponible. Donc l'ajout d'un utilisateur, il va se faire sur la machine host, donc il va falloir faire attention d'utiliser un système de contrôleur de révision, là, Git ou SVN, là, peu importe, là, pour pas que la copie locale sur la machine soit la seule source, tu sais, parce que si ça crash ou quoi, ben, puis tu perds les données, tu perds la liste des users que tu as fait, c'est un peu problématique. Puis il va falloir faire la gestion, parce que là on va avoir un fichier plat. Il va falloir que tu te mettes un script quand même autour de ça pour pas qu'il y ait le même UID, pas les mêmes noms de répertoire, etc. Donc, il va y avoir une certaine gestion que tu n'as pas à faire avec quand tu mets un add user ou autre. Donc, le fichier password en local, donc pour, change peu nos habitudes. Donc, on est réconforté. On peut le copier. Donc, le même fichier etc password pourrait être utiliser le même dans le fichier, dans le container dovecote et dans le container postfix. Donc, c'est réutiliser le même, donc partager le même fichier pour les deux containers. Donc, ça t'évite moins de gestion à faire. Et pas besoin de porter action sur le container quand tu veux ajouter un utilisateur, tu fais juste sur le fichier. Okay. Je pense que j'ai 5 possibilités, by the way. Autre possibilité, ah ouais, ok, donc ça va aller bien. Utiliser Puppet ou Ansible, donc un système de gestion de configuration des containers. Donc là, à ce moment-ci, peu importe la solution, bon, je préconiserais peut-être plus Ansible personnellement parce qu'il y a la possibilité de pousser la configuration au lieu d'avoir l'agent qui roule. Sur le container, mais ça va permettre de synchroniser ta liste de users, peu importe le container où il est démarré. Donc le container démarre et après il va aller se synchroniser ou il va recevoir en push la liste des users qui doit être définie à l'intérieur du container. Okay? Donc, ça c'est une possibilité. Donc on va recommencer par le contre, encore une fois. Ça suit moins le principe de Docker et là j'explique pourquoi. L'utilisation des containers, en fait, l'avantage, c'est que tu peux l'avoir sur ton portable, dans un data center et dans un cloud. Donc, essayer d'être indépendant de l'infrastructure en place. La problématique ici, c'est que si tu utilises, peu importe, hein, Puppet, Ansible, Salt ou whatever, là, tu te retrouves dépendant de l'infrastructure du serveur de configuration. Donc, ça veut dire que le setup que tu mets en place, le développeur qui l'a sur son portable dans le train, ben ça ne matche pas avec ce qui va être mis en production. Donc, tu deviens dépendant avec un point de l'infrastructure. Et donc, là, après, quand je dis, vous allez voir, on va faire les 5 points, puis je n'ai pas la solution en bas, hein, by the way. Là. Excité, ne faites pas avance rapide pour ceux qui l'écoutent en vidéo. Là, je veux dire, il n'y a pas la solution. Parce que ça dépend de soi aussi. Donc là il y a aussi le problématique, moi, si je prends surtout Puppet, même j'imagine Ansible a le même problème, j'utilise moins, mais il est obligé d'identifier le nom de la machine pour éviter de pousser sur une mauvaise machine, parce que là on va pousser des users. Si on utilise cette solution, on va pousser le user puis la liste des mots de passe,
OK? Donc ça veut dire que si moi je suis un attaquant dans le réseau, je me démarre un container puis je flag, je dis, hey, j'aimerais ça avoir la liste des users, puis que le système dit ah, j'ai trouvé une nouvelle machine, c'est un container, je lui pousse la liste des users et le mot de passe. C'est peut-être pas top. Donc tu sais, il va falloir donc puis si j'ai plusieurs containers qui démarrent, qui s'arrêtent, etc., ben il va falloir qu'à chaque fois il aille pousser la configuration. Donc là, je suis dans le contre. Ouais, j'ai peut-être pas envie d'avoir en plus un nouveau logiciel que je rajoute à l'intérieur de chaque container. Principalement, je parle pour Puppet, que je serai obligé de démarrer l'agent Puppet qui va prendre des ressources, etc. Le pour, ben, bien entendu, ça va uniformiser mes configurations. Ça va me permettre de pouvoir pousser mes configs en live. Ça va m'éviter d'avoir des fichiers locaux sur le Dockerhost. Ça va me permettre de grossir mon parc significativement tout en gérant l'intégralité, donc facilement. Donc, je suis pas obligé de monter en compétence. Il y a quand même des gros avantages. Puis, tu sais, que j'utilise le Playbook ou Puppet, ben, je vais avoir... auront la même liste d'utilisateurs entre le container SMTP puis IMAP parce que ben, c'est le même système qui pousse la configuration. Autre possibilité, utiliser la définition à l'intérieur d'un LDAP, NIS, MySQL. Donc là encore une fois, on va se retrouver avec la même raison que pour le compte. Tu deviens dépendant d'une infrastructure. Donc, tu ne pourras pas démarrer tes containers sur ton laptop, le tester dans un autre environnement. À chaque fois, tu seras obligé d'avoir l'infrastructure, principalement si je prends LDAP. Si je dis, ou alors, si tu veux mettre cette solution en place, c'est-à-dire que le développeur, lui, va devoir avoir 3 containers qui roulent. Le SMTP, le IMAP et un mini serveur LDAP pour faire fonctionner les 3. Ce qui peut être une alternative aussi très viable. Tu sais, quand je dis j'ai pas de solution, il n'y a pas de solution clé, il faut adapter à ses besoins. Mais on pourrait démarrer un serveur LDAP en container pour pouvoir avoir encore l'autonomie dans des développeurs, peu importe le lieu. Hein, si on prend Google, hein, Google il dit il travaille n'importe où. Hein. Il te donne le portable, là, puis avec les containers, là, puis va-t'en, là, si tu veux travailler chez toi, machin, là, mais t'es self-content. Là. Quand tu te connectes en VPN, tu as les mêmes accès que quand tu es local sur la machine, au bureau, là, parce qu'ils s'en foutent où tu vas. Il faut juste que tu lis. Donc, tu sais, c'est un peu la mentalité là-dedans. Toi, la base de données SQL, s'il n'y a pas de plus-value à l'intérieur, je ne le mettrai pas. Bien entendu, quand on voit avec le système du webmail, puis les préférences, etc., pour la solution finale du système de courriel, comprend un serveur SQL parce que ben, tu as des features en plus requis. C'est pas juste pour l'authentification. Hein, donc, le gars dans le train, donc, OK, cool. Donc, là, faut se faire une idée, faut voir. Comme je dis, les points, les gros critères que je désire mettre de l'avant, c'est de pas avoir une gestion manuelle dans chaque container pour pas avoir les risques de suppression qui risquent d'être problématiques. Permettre le déploiement simplement et les limitations, ben, garder quand même le principe de limitation. Et ça va finir là, je vais arrêter là en fait. Parce que là, il est 1h, ouais. Donc, au niveau de l'architecture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser en prochaine session. Donc, on voit ici, j'ai plusieurs points et on va essayer de regarder si je ne peux pas ajuster ma configuration de postfix pour utiliser un autre mode de livrement qui me permettrait de peut-être pas avoir la liste des users localement et de juste l'avoir dans le IMAP. C'est bon ?